La quatrième, c'est une photo de 2010 de Todd Ido, prise depuis sa voiture, un jour de pluie. Et j'aime beaucoup cette image pour son ambiance, sa lumière tout en douceur et le rappel constant qu'on peut faire de bonnes images dans des situations très banales et en étant loin de viser la perfection. Il l'a fait depuis l'intérieur, le pare-brise est mouillé et en fait ça fait justement toute l'image. Et enfin, pour la dernière image, il s'agit d'une photo d'un léopard nommé Olare que j'ai prise en janvier 2017 au Kenya. Je me souviens encore, hein, le soleil allait se coucher dans les 5 minutes, il était vraiment très très bas et on avait repéré ce léopard qui se glissait entre les broussailles. C'est des animaux par nature assez discrets et le plus souvent quand on les voit bien, c'est qu'ils roupillent en haut d'un arbre en fait. Mais là, en fait, j'ai eu littéralement 3 secondes pour prendre cette photo. J'étais prêt, je savais que ça allait être difficile et un petit miracle s'est produit. Le 4x4 s'est arrêté pile au bon endroit pour que j'ai une bonne visibilité sur lui. Les derniers rayons du soleil ont frappé son visage sur le côté, illuminant ses yeux magnifiques et j'ai juste eu le temps de déclencher et la seconde d'après, il était parti.